Eh bien bonjour mesdames, messieurs, c'est CoolTNT et on se retrouve aujourd'hui pour ce journal mensuel avec aujourd'hui pour le thème de l'actualité. Nous avons en premier pour la technologie insolite, nous aurons des faisceaux laser qui transmettent des messages audio. Donc les scientifiques ont réussi à mettre au point ceci. Nous aurons pour la news de Minecraft les blocs de miel et nous aurons aussi pour le jeu du mois Antimatter Dimensions. Donc eh bien les faisceaux laser qui peuvent transmettre des messages audio, les scientifiques ont réussi à mettre au point cette technologie. Gertrude vous en dira plus, je vous laisse avec lui. Oui, effectivement, je vais vous en donner plus. Donc, tout simplement, aujourd'hui, nous allons parler de... un message dans un laser. Des chercheurs ont développé une nouvelle méthode pour transmettre des messages audio, grâce à de la lumière. Explication. Leurs méthodes permettent de transmettre différentes tonalités, musique et paroles. Tout cela grâce à l'utilisation d'un faisceau laser. La technique est basée sur l'effet photoacoustique. Lorsqu'un matériau produit des ondes sonores après avoir absorbé de la lumière, ici l'humidité ambiante absorbe les ondes lumineuses et produit du son. Les variations de fréquence d'émission du laser permettent d'encoder différents sons. Il est possible de focaliser le message dans une direction et à une distance donnée, limitant le risque que celui-ci ne soit intercepté. Et voilà, maintenant vous savez tout sur cette découverte scientifique. Maintenant c'est la news Minecraft. Tout simplement on va parler du bloc de miel qui est un récent ajout dans Minecraft. Je laisse la parole à Adrien Pur. Oui, effectivement, je vais effectivement vous parler des blocs de miel qui sont apparus très récemment dans une Snapchat de Minecraft. Une grande nouveauté sur Minecraft, le bloc de miel. Le bloc de miel est apparu dans la snapshot 19W41A. Ce bloc est un bloc qui, comme son nom l'indique, est fait à partir de miel. Il se craft à partir de 4 fioles de miel. Ce crafting va rendre les fioles vides après l'utilisation, comme pour le crafting du sucre à partir du miel. Le bloc de miel est collant. Il vous ralentira dans vos déplacements et limitera la hauteur de vos sauts. Il n'est ainsi plus possible de sauter un simple bloc. Par contre, il est toujours possible de monter sur une dalle d'un demi-bloc de hauteur. Cette particularité d'être collant agit à distance. Si vous placez un bloc fin au-dessus, tapis, dalle, etc., le joueur ou mob restera collé sur le bloc également. Cela agit jusqu'à 5 huitièmes de bloc de hauteur, au-delà de l'effet collant disparaît. Contrairement au bloc de slime, avec lequel il partage beaucoup de propriétés, le bloc de miel n'amortit pas les chutes si vous tombez dessus de haut. En revanche, comme il est collant, il permet de ralentir les chutes si on se colle contre une paroi en bloc de miel. Côté redstone, le bloc de miel partage beaucoup de points communs avec le bloc de slime. Il colle au piston et permet d'y coller d'autres blocs. La limite de taille est la même que pour le bloc de slime, 12 blocs maximum. Les mêmes limitations s'y appliquent, les blocs de terracotta ou de bedrock ne collent pas dessus. Il est même possible de mélanger les deux blocs pour former des structures collantes sur le piston, toujours dans la limite de 12 blocs maximum. Il existe cependant quelques différences. S'il y a des entités posées sur ces blocs, poussées par un piston,
l'entité restera collée sur le bloc de miel et donc suivra le mouvement du piston. Tandis que sur le slime bloc, l'entité restera sur place. Le bloc de slime glissera sous ses pieds. Cela s'applique bien à toutes les entités, joueurs, animaux, monstres ou même, comme ici, un item droppé. Autre différence, le bloc de miel ne conduit pas le courant de redstone. Les monstres n'aiment pas les blocs de miel. Si le bloc de miel est au niveau du sol, ils marcheront dessus comme pour n'importe quel bloc. Mais s'il faut sauter sur un bloc de miel, ils ne sauteront pas, ils resteront bloqués derrière le bloc de miel. Et franchement, ils ne contournent pas non plus. Ils restent bloqués derrière. Les mobs savent aussi reconnaître un bloc de miel caché sous une dalle, et ils ne sauteront pas non plus dessus. Par contre, s'il est possible de marcher sur le bloc de miel sans sauter, bloc au niveau du sol ou avec un demi-bloc de hauteur seulement, ils marcheront dessus sans problème. Ils seront quand même ralentis. Le bloc de rayon de ruche, autre bloc ajouté dans cette snapshot, le bloc de rayon de ruche se craft à partir de 4 rayons de ruche. Ce bloc est purement décoratif, il n'a aucune fonctionnalité particulière. Ce bloc n'est pas un bloc de stockage, il n'est pas possible de reconvertir ce bloc en rayon de ruche. Eh bien, merci Adrien Pur pour ces magnifiques informations sur le bloc de miel qui a été ajouté dans cette récente snapshot. Donc maintenant, c'est l'heure du jeu du mois. Donc tout simplement, le jeu qui a été choisi, c'est Antimatter Dimensions. Je suis sûr que Rodrigue Aim pourra en parler mieux que moi. À toi, Rodrigue. Oui, effectivement, Cool TNT. Aujourd'hui, nous allons parler de Antimatter Dimensions, vu que c'est le jeu du mois. Notre jeu du mois ce mois-ci, ce sera Antimatter Dimensions. C'est une sorte de tycoon avec beaucoup de rangs de prestige. Le premier rang de prestige justement sera d'atteindre l'infini en ayant un peu plus de 1 x 10 puissance 306, me semble-t-il, d'antimatière. Donc ce sera très compliqué pour la première fois. Et ensuite, vous allez pouvoir faire ça en 200 millisecondes. Ouais, soyons fous. Vous allez pouvoir obtenir cette antimatière tout simplement dans des dimensions d'antimatière que vous pourrez acheter par 1 par 10 ou alors acheter des nouvelles dimensions. Lorsque vous allez en atteindre 10, le multiplicateur va être augmenté par 2. Vous avez aussi beaucoup d'achievements, beaucoup, énormément même. Vous avez des secret achievements aussi. Vous pouvez tout simplement voir dans les options qu'il y a beaucoup de possibilités de customisation. Donc ce jeu a été été développé par des développeurs et est maintenant hébergé par github.io. Je vais vous mettre le lien dans la description, bien évidemment. Et une version téléphone existe aussi, tout simplement. Merci beaucoup, Rodrigue Aim, pour ces sympathiques informations sur le jeu du mois. Donc, nous arrivons à la fin de ces news. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez, s'il vous plaît, mettre un petit like. Bien sûr, si vous avez des idées comme par exemple le jeu du mois, ou alors le moment scientifique, enfin technologique, ou encore, je sais pas, l'autre... Je sais plus ce que c'est. La news Minecraft. Si vous avez des idées de catégories que je pourrais ajouter dans ce journal, vous pouvez les mettre en description. En général, je les ajoute si c'est vraiment
N'importe quoi. Du coup, si ça vous a plu, mettez un like s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochains journaux mensuels. Les prochains journaux. Ouais, c'est mieux. Vous pouvez commenter pour ce que je viens de vous dire. Mesdames, messieurs, au revoir.